Chine. Je comprenais pas grand chose. Mais pour moi, c'était le paradis. Quand j'avais 5 ans, je ne comprenais toujours pas. On n'est pas ce paradis. C'est une cité, frère. On me parlait d'instruction civique. On me parlait de citoyenneté. J'y ai cru. Pourquoi t'habites pas dans les pavillons, là? Pourquoi t'habites à la cité? Quand j'avais 10 ans, je n'en revenais pas. Mon père m'a dit d'aller chercher mon frère. Mon frère âgé. Plus âgé que moi de 5 ans. Qui était à 5 cm d'un gun. Agenouillé à 5 cm du sol. Tant que j'entendais ce policier lui dire: qu'est-ce que je fais, négro? Je te fais péter la cervelle. Là, j'avais l'impression qu'on m'avait menti. Weary with toil, my soul seeks repose. Yet far to home. Qu'est-ce que je fais, négro? Je te fais péter la cervelle. Yet far to home. Yet far to home. Qu'est-ce que je fais, négro? Je te fais péter la cervelle. Get far from home. Get far from home. Get far from home. No comfort is there to find. Quand j'ai eu 11 ans, je commence à découvrir ce que c'était que les femmes. Les femmes. Façon de parler. Non. Plutôt l'impression que c'était de là pour monter la grande ville juste pour l'enfer. Et dis-moi, tu sens pas un peu plus chaud par hasard? Quelle tortue. Lâche la gueule, c'est pareil. Et là, quand j'ai eu 15 ans, je commençais à découvrir mon ami Jacques. C'est la suite qui a commencé à m'éclairer sur ce monde. Lâche quel monde, t'habites au quartier. Ce monde qu'on peut imaginer. Là, il est évident qu'on commence à réaliser le sens de l'existence. Les valeurs humaines. Effectivement, je m'étais dit qu'à 16 ans, il y aura des jours meilleurs. Et à 16 ans, cela continue toujours. Les quartiers, l'enfermement, la ghettoisation, tous les aspects de la ségrégation. Aujourd'hui, éducateur, je me dis, comment se fait-il que les gens ne se révoltent pas? Comment se fait-il que les gens acceptent d'être enfermés dans un quartier qui n'a rien à envier à une maison de détention?